Ok! Je m'attendais pas à ce qu'il n'y ait pas de cinématique et tout, mais salut à tous, c'est Rukalkos, on est parti du coup pour de nouvelles aventures qui sera consacrée cette fois à Détective Pikachu. Et oui, on m'a prêté ce jeu exprès pour que je puisse le streamer, la preuve, hein, y a déjà un truc chapitre 9, chapitre 8. Alors, on m'avait dit que normalement, étant donné que c'était sur ma DS, etc., il n'y avait pas de sauvegarde de rien. Heureusement qu'il y a une troisième slot, hein, j'ai envie de dire. Ça tombe bien, donc je vais pouvoir commencer une partie tout en bas, hein. Je vais essayer juste de finir l'histoire. Après, s'il y a encore un peu de temps, que j'ai pas fait beaucoup de séances, je pourrais faire quelques quêtes secondaires s'il y a, parce que je tiens à préciser avant de poursuivre, ça fait déjà quelques mois que le jeu est sorti, j'ai à peine vu ou entrevu le début. C'est-à-dire que je n'y connais rien du tout du jeu, je sais que c'est un jeu d'enquête, etc., qu'il va falloir faire à la Phoenix Wright, etc., les Ace Anatomy pour ceux qui savent. Mais avec, il y a pas mal de subtilités et beaucoup de clins d'œil sur les Pokémon puisqu'il s'agit de Détective Pikachu. Bon, enfin bref, on va commencer tout de suite et c'est là qu'il va y avoir une cinématique, mais bon, tant pis, je serai là. Voulez-vous commencer le jeu en mode facile? Vous devrez créer une nouvelle sauvegarde pour changer de mode. Bah non, on va faire un mode hardcore quand même. C'est un jeu d'enquête donc. See if this woman can understand me. Pika, 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 pika! That answers that question. So why can I understand them? Pika! Hey, get out of the road! Pika! Pika, 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 pika! This is the worst. There's gotta be someone out there who gets what I'm saying. Ouais, alors déjà, ça mélange bien. Il y a bien. It's been 2 months since my dad disappeared. I've come here to Rhyme City to start looking for clues. I'm gonna start by speaking with his friends and coworkers. Donc normalement, je vais incarner Tim Goodman, si j'ai bien compris. The Baker Detective Agency. Hey! J'ai plus un grand farceur. What is this? Hey, give that back. Are you okay? Block that side. You got it. Come on. Wait, hold it. Hey, I can't see. You turn red. Hold on to it. Easy for you to say, but I gotcha. Ow, 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 my ears. That's me. Oh, sorry, old timer. Pikachu? You're stretching out my ears. Would you let me go? That was you talking? Could have been more gentle setting me down. Sorry? Are you able to understand what I'm saying? Pikachu et son fameux chapeau de détective. Is everything all right with you? Just talking to yourself? What? Wait, she didn't understand him? So, it seems that you're the only one who can understand what I'm saying. That's impossible. I don't really know what's going on, but you can understand me, so, all right. What are you talking about? No, oh, the A-bomb, Pikachu, the necklace! Let's follow him. Are you ready? We can't just stand here while these ladies are in trouble. Wait, hold on a second. Alentour de la station Tanti. Ah! Bon. Parenthèse. Enfin. Bon.
Bon, vous avez bien compris, là déjà rien que dans mon action dès le début, la preuve que je ne connais absolument pas le jeu. Bon, j'ai déjà vu cette enquête, enfin une partie de l'enquête, parce que c'était New Titeuf qui faisait la promo de ce jeu là, avant sa sortie, il me semble. Ou même pendant sa sortie. Mais j'ai pas été plus loin exprès parce que je savais qu'un jour j'allais y jouer, mais je m'attendais pas à le faire en stream en fait. Donc du coup, petit problème que j'ai, je m'attendais pas du tout, hein, pour dire, que le jeu sera en anglais. Donc désolé pour les cinématiques qui sont en anglais que je traduis pas. J'essaie juste de traduire les noms des lieux et des noms quand il n'y a pas de voix. Après, ben, priez que vous maîtrisez l'anglais. Surtout que je pense à ceux qui sont aveugles, qui... parce qu'il est possible peut-être qu'il y a quelqu'un qui est aveugle, qui ne suit pas mes aventures et tout, et là, désolé d'avance. Donc du coup, alors, première enquête, Cap-Humain, ça je vois. Cinématique magnifique, je veux dire, hein, les graphismes sont sympas, etc. Alors par contre, les voix en anglais et après en français que je vais devoir traduire. Bon, j'ai encore quelques soucis avec ma bouche, donc ça va être dur de traduire, etc. Donc on résume. Un Pikachu qui avait un maître, accident de voiture, moi j'arrive d'une station et je fais la connaissance d'un Pikachu alors que je dois aller dans une sorte d'agence de détective pour voir des amis parce que le gamin, le team que je vais incarner, si j'ai bien compris, fait déjà une enquête, sauf qu'on lui a piqué son guide touristique, hein. Je sais pas ce que c'était. Et chose assez bizarre, c'est le seul à comprendre le Pikachu. Apparemment, le Pikachu essaye de communiquer avec tout le monde et à part des Pika, tout le monde ne le comprend pas. Il n'y a que Tim qui le comprend. Ça va être dur entre le fait du heal et du jeu. Hein. Donc j'ai... Si j'ai des jeux à propos de Tim, vous avez compris que je parlais de Tim. Ne vous inquiétez pas. Ouais, j'ai la surprise, tout va bien. Bon. Ah ouais, d'accord, on a le petit carré. Oh putain, je suis pas réveillé aujourd'hui. Bon, on est en soirée. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un rendez-vous? Oui, mais ça peut attendre. Je ne vais quand même pas vous laisser tomber. J'irai à mon rendez-vous plus tard. Ok. On va te montrer le chemin tout à l'heure si tu veux. Bon, on y va. Faut vite arrêter les Cap-Humains et récupérer le collier. Let's go. Je peux parler? Bonjour. T'as vu tous ces Cap-Humains? Je suis bête. J'ai même pas pensé à les attraper. Tu les Cap-Humains. Écoute, un sacré bordel. Ah d'accord. Oh, bim. Ok. Skive. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Ça va spammer, y a pas de problème. Stop right there. Give back that necklace. Peinture blanc. And now they've run for higher ground. Well, they're going all out, aren't they? Let's use that. All right, let's raise it up. Oh. Don't worry about me. Hurry and go get that necklace. No, I can't do that. Macro. Well, thank you very much. Guess they got away. Il va falloir redescendre. Eh, hey, il bouge tout seul! Ils ont disparu, bien sûr. Ils ont laissé un de ces bazars. Oui. C'est fou que des Pokémon fassent comme bon leur semble, en pleine rue. Oui, mais à vrai dire, ce type d'incident est fréquent ces derniers temps. Des Pokémon se déchaînent sans crier gare. Je l'ai dit, j'ai l'impression que c'est un peu différent cette fois. C'est la maman ou la dame, je sais même pas si c'est sa mère. Où sont passés les Cap-Humains?
On les a perdus du... Donc le colis est perdu. Je suis vraiment désolé. Hé, pourquoi tu jettes l'éponge aussi vite? Avec toutes les traces qu'ils ont laissées. Ça va pas nous prendre bien longtemps pour les retrouver. Il suffit juste d'enquêter. Hein? Tu veux faire ça, toi? Un Pikachu? Évidemment, tu me prends pour qui? Allez, dis juste à ces demoiselles de pas s'en faire. On va le retrouver, ce collier. Ok, vous inquiétez pas. On va retrouver votre collier. C'est vrai? Merci, monsieur. Bon, ça c'est fait. Y a plus qu'à commencer l'enquête. Mais comment on fait pour enquêter? D'abord, vu que j'ai la chance de t'avoir, il faudrait que tu interroges les témoins. Demande aux gens qui sont ici. Ils n'ont pas vu un cap humain ou un collier. Je le ferai bien moi-même, mais je peux pas parler avec les humains. Donc je compte sur toi. D'accord, pas de problème. Un carnet, un stylo? Oui, pourquoi? Dans ce cas, consigne les témoignages et les preuves que tu obtiendras dans ce carnet. Ok, ça marche. Faut que tu prennes des notes. Tu peux appeler ça les éléments de l'enquête. D'accord, je vais essayer. Les éléments de l'enquête. Collier, un cap humain a volé ce collier à la petite fille. Objectif, retrouver le collier, pas le cap humain. Oui. On n'avait pas vu des caps humains par ici? Si, il y en a un qui m'a grimpé sur la tête. Non mais il a pagaille ici aussi. Oui, comme tu dis. À qui tu parles? À personne. Il est parti le cap humain. Il est parti où le cap humain? J'ai mal traduit du français. Trop bien. Là-bas, en direction de la banque. Ah merci. Un cap humain s'est enfui vers la banque. Nous, éléments de l'enquête. C'est brûle comme un chef. Continuons l'enquête. Ça va être dur. Dis Pikachu, on peut discuter là-bas, s'il te plaît? Hein? Pourquoi? Tu verras. Bon, ok, ok. Il tombe dans la plaque d'égout. La dame a fait une drôle de tête quand je t'ai parlé devant elle. Bon, c'est compréhensible comme réaction. Mais mieux vaut éviter que tu passes pour un cinglé. Les gens risqueraient de ne plus vouloir te parler. Fais plus attention quand on est en public. D'accord. Mais c'est embêtant si on ne peut pas se parler. J'ai une idée. Quand j'aurai un truc à te dire, je te ferai signe. Ça marche? Ok, bonne idée. Cool. On va faire un test. Parle-moi quand je te ferai signe. Something that I notice, then I'll give you a sign. Keep your eyes open. Ah oui, d'accord. Donc on reprend. Je dois parler aux gens et quand Pikachu va faire une tête, comme par exemple là il y a une trace. Normalement Pikachu va réagir, non? Non. Je pense qu'on va les retrouver. Je vais me dire de quel genre de collier c'était. Il est bleu, il brille. Je le porte tous les jours. Ma maman qui me l'a donné. Je vais beaucoup y tenir. Faut à tout prix qu'on le retrouve, Tim. Tu as dû avoir peur. Tu n'es pas blessé? Non, ça va. Tant mieux. C'est tout. Ah, une trace rouge. Regarde. Pikachu, viens ici. J'interviens. Non, t'en fous. Pizza, non. Coiffarelle, icône de la mode. Oui. On recherche des caps humains, vous n'en auriez pas vu par hasard? Mais malheureusement si. Ils ont pris à mon coiffarelle. Il a le poil tout hérissé maintenant. Oh le pauvre. Il est où abruti? Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais pas vu de cap humain par ici. Si, ils sont descendus toi d'un coup, ça m'a surpris. Où sont-ils partis? Un d'entre eux est allé au fond de cette rue, en direction du parc. J'ai aperçu un autre, aussi, mais... Je n'ai pas vu par où il est parti. L'un d'entre eux est parti vers le parc. Merci beaucoup. Bien, on a pris quelque chose d'intéressant. Oui, monsieur. Alors... Y'a pas de banque ici? C'est vrai que je rate rien, on s'en fout de la maman.
À toi. Riscavarin, expert en excavation. Varin. T'aurais pas vu des caps humains? Varin. Je vois, ok. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Pas compris? Non, j'entends juste des cris de Pokémon. Donc je suis seul que tu comprennes. Il a dit que plein de caps humains se sont enfuis. Y'a pas un témoignage qui nous avance beaucoup. Cool. Avec toi, on va avoir aucun problème pour interroger les Pokémon. Qu'est-ce qu'il arrive? Il semblerait que les caps humains se soient séparés au moment de fuir. Dans quelle direction il est parti? Pardon. Dans quelle direction est parti celui qui tenait le collier? Bonne question, j'ai parlé avec tout le monde. Mais je n'ai pu obtenir le moindre indice. Ok. Dans ces cas-là, il faut trouver une preuve avec la pagaille qu'ils ont mise. On devrait pouvoir trouver quelque chose en examinant près de ces environs. Près des environs, putain. Oh, je sais pas lire, c'est fou. Tiens, essaye avec ce rideau métallique, par exemple. Quoi encore? Let's thoroughly investigate suspicious locations. J'aurais pu mettre la touche Y ou... On dirait une tache de peinture. Oui, et la forme d'une queue de cap humain. Continuons à chercher. Donc on rappelle qu'il y avait deux cap humains. Un avec une trace rouge comme celle-là. Une tache rouge. Ça sent le ketchup. Cette forme. C'est celle d'une queue de cap humain. Le ketchup a dû s'y coller quand il a attrapé un hot dog. Ah, c'est donc de là que vient le ketchup. C'est un indice. Faut qu'on enquête sur ce ketchup. Demande aux passants ce qu'ils savent de ce sujet. Pour interroger ce type là, avec la casquette. Ok. Oh non, ça va être aussi chiant. Parfois, il suffit de changer de question pour qu'une même personne donne de nouvelles informations. Ouais, c'est bien, une enquête classique, tout va bien. Encore, putain! That's key evidence. So how do we gather info? Well, by interviewing witnesses, of course. Te calme. Qu'est-ce qu'il y a? Une ketchup! J'ai vu une tache de ketchup. Ah bon, je m'en ai pas vu, donc. J'ai vu une case de ketchup en forme de queue de cap humain juste là. Vous savez ce qui s'est passé? Les cap humains se sont déchaînés et on a même un qui a renversé cette table en un coup de queue, bien sûr. Bien senti. Hein? Ils sont si forts que ça? Allez, t'inquiète, je te protégerai en cas de besoin. C'est vrai que t'es un Pikachu après tout. La capacité de tonnerre ne devrait avoir aucun secret pour toi. Tonnerre. Bien sûr, si besoin, je leur mettrai une raclée avec ça. Bref, bref de bavardage, on a appris de nouvelles informations. Tu vois, c'est important de parler plusieurs fois aux mêmes personnes. De les harceler, quoi. Ah ouais, bonne idée. S'ils s'enfuient quand je leur demande pour la 20e fois une information que je connais déjà. Respectons un peu plus les environs. Une tape tombée. Maman. Alors, l'enquête avance? Nous retrouverons le collier. Merci. Et il tient beaucoup, tu sais. C'est bien la maman. Les caps humains font souvent ce genre de choses ici? Non, mais ces derniers temps, les incidents impliquant des Pokémon. Les incidents impliquant des Pokémon se sont multipliés. Je me demande ce qui se passe. Vachement aidé. Pas qu'il veut. Oui. Un cap humain qui a fait cette tâche? Oui. J'aurais dit qu'il voulait se débarrasser de la peinture sur sa queue. Comment utile. C'est bon, on peut y aller maintenant. Il est encore là-haut. Il a vu. J'ai raté un truc déjà? Oui. Coiffarel, c'est peut-être quelque chose? Je suis là pour ça, laisse-moi faire. Hé, Coiffarel, t'as
pas l'air dans ton assiette. Les capémains ont été méchants avec toi. Ah bon? C'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit quoi? Il a dit qu'une fois par semaine, sa partenaire lui fait manger des baies qu'il déteste parce que c'est bon pour la santé. C'est justement aujourd'hui qu'elle va lui en donner. Hein? Pour ça qu'il fait cette tête? Ça n'a rien à voir avec les caps humains. Ouais, il dit qu'il ne sait rien sur les caps humains. Ça alors? Vous savez pas que les Pokémon avaient ce genre de préoccupation? Il y a des traces de ketchup en forme de queue de cap humain là-bas. Vous savez ce qui s'est passé? Maintenant que vous le dites, l'un des caps humains avait la queue rouge. Ça devait être à cause du ketchup. Heureusement, il n'en a pas mis sur mon coiffarel. Vous vous souvenez-vous de quelque chose à propos du cap humain qui avait du ketchup? Non, j'étais trop bouleversé pour ça. C'est bon, on peut y aller? Non. Les deux indices. Comme ça, un truc comme ça. T'as dit que t'avais vu des caps humains. Est-ce qu'il y en avait un avec une queue rouge? Rien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit que le cap humain avec la queue rouge tenait le collier. Oh, c'est un super indice. Merci, Excavarine. Oui. Merci. On l'a vu dans la cinématique. Ouais, pour dire quand même. Bien joué, on devrait avoir assez d'indices. Maintenant, il faut voir si on tient une piste. Piste? Comment on fait? Tu analyses des témoignages et preuves que tu as obtenues jusqu'à présent pour deviner dans quelle direction le cap humain est parti. Ok, je vois. Fais une section piste dans ton carnet. Ça t'aidera à arriver à une conclusion. D'accord, j'ai compris. Objectif, découvrir où sont passés les cap humains. Les, ils sont trois. Nouvelle musique. Oh, that's a nice drawing. Very well done for a first try. So, just like in the diagram you've drawn, the path splits off at a certain point. Let's see. We have testimony that the Apom split up and fled down different paths. So then, in which direction did the Apom with the necklace flee? If we were amateurs, this is where we'd quit. But of course we're not. You've got the crucial evidence, right? It's those marks that the tails made. Now, do you remember where you saw those marks? Comme ça. Peu de mémoire. That's the case. We can pin down the whereabouts of the Apom with the necklace. And that's all because we've heard some certain testimony. All right then, which bit of testimony was it? Donc ça va se résumer comme ça. On va d'abord mettre les indices et après on va voir quel témoignage correspond le plus avec les indices. Donc moi ce qui m'intéresse c'est lui. Now we should have our answer, right? Which way did the Apom run off to? This way or that? C'est lui avec le collier est parti là-haut vu que il avait la clé. You got it. Great job. C'est du tuto hein. Tout va bien pour l'instant. On fuit vers le parc. Did you find anything out? Yeah. Looks like the Apom ran off that way. So we're gonna follow. Good idea. We're counting on you. Please. It's my precious necklace. All right. Just leave it to us. What are you trying to do? Show off for the girls? No, of course not. Hey. Whatever you need to do, my friend, I'm all for it. And it seems like you might be somewhat helpful on this case. Are you saying you're a real detective? I'm not just a detective. I'm a great detective. Detective Pikachu. Speaking of, what's your name? I'm Tim. Tim Goodman. Tim? Yeah, what's wrong? Nothing. Nothing at all. Nice to meet you, Tim. Now,
Let's go find the A-Palm. Right. Sauvegarde en cours. Le petit pied est toujours en bas. Chapitre 1. Le parc Tanti. Parc Tanti. Oui, on a compris. Isn't that an A-Palm? Il est mort. Smells like a case. Now it's getting interesting. What do you think happened, Pikachu? Just a berry. I don't see any wounds or anything. Just seems to be unconscious. I don't see the necklace anywhere. If we investigate why it's unconscious, I bet we'll figure that out too. Bien notre veine. Non seulement le collier a disparu, en plus le capul humain est inconscient. C'est justement dans ce genre de situation qu'il faut faire marcher ces petites cellules grises. Alors ça c'est un classique de Nintendo, de casser les phrases en deux pour un mot. Sortez notes comme tout à l'heure. Trouvez le collier. Ben non, mais il manque des trucs là. On a retrouvé le KPMA. Unfortunately, there have been some traces left behind, which means we'll need to investigate the scene. Respecter les lieux. Tu vas faire quoi concrètement? T'as mis tout ce que tu vois ici pour trouver des indices. Ok, je vais essayer. Un jour, on doit fouiller. Ouais. C'est vide. Journal du matin, en lambeau. Toute la lumière sur l'affaire de l'autoroute gelée. C'est déchiré, impossible de lire la suite. Non, j'ai mis des traces de doigts sur un anneau. Pas bon. Une canette de jus de fruits. Je crois que Capuma en buvait. Elle est vide. C'est sûrement un détritus. Elle a dû tomber quand la poubelle là-bas s'est renversée pour rouler jusqu'ici. On sait que c'est... Il trempe dans une substance rouge, un mélange de ketchup et de baies. Ces baies sont très piquantes. Je crois pas qu'il comptait en manger. J'avais gagné 1 million d'indices. Ça, c'est un indice intéressant. Les feuilles elles sont abîmées. Mais elles viennent de plantes qui poussent par ici. Il y a des égratignures plein partout. C'est peut-être évanoui après une bagarre. Oh! Quelque chose en dessous. Pousse-toi. Une plume. Bien joué, Tim. Ça doit être un indice pour trouver le coupable. Une plume noire. Oh non! Non, pas le retour des Piafabec ou des Cornèbres. On les a déjà vus dans Ultra Soleil et Ultra Lune. Bon, on a vu tout ce qu'il y avait à voir par ici. Des signes de lutte. Collier disparu. Je vous porte à croire que quelqu'un s'en est pris à Capuma. Mais qui? C'est ce qu'on doit découvrir en premier. Je te rappelle comment faire, hein? Note dans ton carnet ce que tu sais de l'incident. Ok, commençons par ce qu'on sait sur le Capuma évanoui. Mais non! Marre du tuto, hein? C'est à moi de me démerder. Heureusement que j'ai mis le mode normal, hein, pour éviter le tuto. Did you happen to find any potential clues to the culprit? Quel indice? Un seul. Le détritus. Pourquoi quand c'est fou, c'est pas bon? J'ai bien mis le mode normal, hein? Pas le mode facile. So, what about the black feather? This is just a theory. Maybe Apom was climbing the tree and got attacked by the owner of the black feather. Does the feather call to mind a certain characteristic of the culprit? Un Pokémon à peau dure ou un Pokémon ailé? Un Pokémon ailé? Yes, no doubt about it. This feather is from a Pokémon. Ok, je crois comprendre pourquoi c'est flou en fait. Here's what we should do.
Go around the park and we'll search for who this feather belongs to, right? That will be the first step in our investigation. And when you see Pokémon with feathers, be sure to jot them down. Okay, let's get going. Just make sure you keep up. À qui appartient à la plume noire? Yo. On va se renseigner en posant des questions à tout le monde. On a déjà parlé à cette demoiselle qui balaie. Enfin, de la scène du crime. Merci la couleur. Dame qui balaie. Quelle est la dame? Madame! Tout à l'heure, un capuma se bagarrait dans cet arbre. C'est enfin terminé? Oui. Tant mieux. J'avais tellement peur que je ne pouvais pas m'approcher. Je vais enfin pouvoir reprendre mon travail. Vous avez raison. Ça aurait pu être dangereux. Vous avez vu qu'il se battait avec le capuma? C'est un Pokémon, non? Aucune idée. Je vais garder mes distances, vous comprenez? Merde, j'ai oublié de tester. Je verrai après. Vous pouvez me parler des Pokémon oiseaux de ce parc? Il y en a de 4 sortes. Ce parc est divisé en 3 zones. Et chaque espèce vit dans une zone déterminée. Quelles sont ces 3 zones? Pardon, là j'ai dit d'une manière... Dis-moi tes zones tout de suite! Ici, on est dans la zone de la fontaine. À droite, c'est la zone du café. Et à gauche, zone naturelle. Okay. Ah, c'est bien ce que je pensais. Eh bien, ce que je pensais, c'est pas le fait que ça pouvait m'aider, c'est juste que j'ai pas besoin du stylet finalement. C'est cool. Ouf. On recherche un Pokémon. Vous savez à qui appartient cette plume? Je suppose que c'est un Pokémon oiseau, mais je ne saurais pas dire lequel. C'est nul. Que vous pouvez me dire sur les Pokémon oiseaux de la zone de la fontaine? Ici, dans la zone de la fontaine, on trouve des pois chillons. Ils jouent souvent du côté de la fontaine. Oh. Quel genre de Pokémon oiseau y a-t-il près du café? Près du café, des hirondelles. On les voit souvent se lisser les plumes. C'est un peu plus le genre de Pokémon qui m'intéresse. La zone naturelle. Des étourmis. Et un cornèbre. Et merde, il y a un cornèbre. Vous pouvez m'en dire plus sur ces Pokémon? Voyons, les étourmis se déplacent toujours en bande de 3. Cornèbre est très indépendant et s'envole souvent jusqu'à l'extérieur du parc pendant la journée. Pas tout, merci madame. Un banc, j'ai vu ça. Un banc. Une poubelle. Un arbre. On peut changer de zone. Ouais, j'ai du mal à parler, je suis désolé. Hey, monsieur! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupé. Un capuma s'est battu dans un arbre près de la fontaine. Ça vous dit quelque chose? Non, ça m'intéresse pas. C'est bon? J'ai autre chose à faire. Pourquoi il est débordé, ce type? À propos de la plume noire, je vais vous emmerder à mort. Est-ce que vous reconnaissez cette plume? Pas vraiment, non. Rien à faire! Et vous faites quoi, en fait? Je cherche mon stylo. Il a dû tomber par ici, j'y tiens beaucoup. Ah, je suis désolé pour vous. Merci pour votre réponse. Je aussi, je cherche quelque chose. Hein, c'est une quête secondaire. Si on retrouve son stylo, il va être content. Dans du parc. Apparemment, on est dans la zone de la fontaine. Le café se trouve à notre droite et la zone naturelle à gauche. Parfait. Connaître le terrain est crucial pour une enquête. C'est sûr. Bon, n'hésite pas à consulter le plan si tu es perdu. Bon, il y a un plan maintenant. Les pois chijons. Il ne fait que manger, dormir et voler. Dans quel sens voler? Oh non! Les petits pois chijons, chérie! Vous leur avez fait peur. Désolé. Bravo, Tim. Pose toi, nos suspects se sont envolés. Je rigole, j'espère. Toi aussi, t'es responsable. Je suis désolé de les avoir fait partir. C'était des pois chijons, c'est ça? Ils sont vraiment trop mignons.
Oui, t'as du goût, toi, ça me plaît. T'es sérieux? C'est la première fois que tu vois des pois chichons? Là, partout! Ah bon? Des pois chez moi. Ah oui, c'est vrai que tu viens de loin. Les Pokémon de Rim City doivent te paraître exotiques, dans ce cas. Enfin bref, faut qu'on trouve un moyen de faire revenir ces pois chichons. Demande à ce type s'il aurait pas une idée. Yosh Kirito! Arrivé un peu tard, hein. Kapuma s'est retrouvé dans une bagarre. Putain, et c'est... Alors là, déjà, premier défaut du jeu, il est trop répétitif. Et il est mou. J'aime bien faire ce genre de truc quand j'ai le temps, l'après-midi complète, etc. Mais... Wouah! En soirée, pendant le stream, parler et répéter 5 fois les mêmes trucs. Tu m'étonnes qu'ils font pas de cinématique. Hein. Bon, c'est pas grave, allez. Un effort, oui. Je trouve que t'es un bon streamer. Même s'il n'y a pas grand chose, hein. Franchement, ça va être dur de faire quelque chose de bien. Hein. Ça va être juste le let's play complet. Akapima s'est retrouvé dans une bagarre dans un arbre de l'autre côté de la fontaine. Vous avez vu quelque chose? Non, désolé. Je me suis rendu compte de rien. Je nourrissais mes petits pois chichons. L'amour. Le mot! Le mot! Ils ont recommencé avec le mot! Juste, je nourrissais les pois chichons. Ils n'ont pas d'amour, tu vois, t'avais pas besoin de gâcher de la mémo. Vous reconnaissez cette plume? Non, ça ne me dit rien. Mais la queue des pois chichons est noire aussi. Ah bon? Merci beaucoup. Voilà qu'on examine une queue de pois chichons. J'ai rien dit, on va bien se marrer en fait. Je vais devoir vérifier les queues des pois chichons. Sortez de son contexte, finalement, le jeu va être magnifique. N'auriez pas vu un collier bleu? Non, tu l'as perdu par ici? Pas exactement. Un Capuma l'a arraché à sa propriétaire près de la station de métro. Je l'ai poursuivi jusqu'ici. C'est bien gentil de ta part. C'est rare que des Capumas aillent jusqu'à la station de métro. En général, ils ne sortent pas du parc. Ils traînent toujours dans les arbres près de l'étang. Quelque chose doit les avoir poussés à aller jusqu'à la station de métro. À propos des pois chichons. Tout d'amour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire revenir les pois chichons? Ils devraient revenir si je leur donne à manger. Ils sont habitués à ma présence. Quel genre de nourriture il faudrait? Celle qu'ils distribuent au café du parc. Évidemment, pour se faire de la thune. Merci. Hein. Bon, allons chercher de la nourriture. T'as des sous, Pikachu? Non. Bibi qui va s'y coller. Baggy Gwen. Habitué du parc. Maggie? T'aurais pas vu un collier bleu? Maggie? Hein? Je me souviens d'avoir. Je me souviens ni d'avoir shooté dedans, ni de l'avoir vu. Ok. C'est un habitué du foot. Qu'est-ce que tu penses des capes humains? Maggie? Ont moins de farce qu'avant, mais elles sont pires. Maggie? Donc tu penses que quelqu'un a voulu se venger en leur volant le collier? Intéressant. Merci. À propos du petit garçon, il va parler de moi, c'est ça? Ce garçon est au père tonnerre. Bagui! Ah non, c'est... Oui, si le ballon il revient, c'est que ça doit être un petit garçon. Merci! Il a spoilé ce qu'il y avait à droite. Oh, ils sont devenus amis en jouant au ballon. Depuis, Bagui Gwen coach le petit garçon. Ça tombe bien! On est le 16 juillet. On est le lendemain de la finale. Et non, on parlera pas de ça pendant ce stream. Même si j'aurais apprécié. Comment tu décrirais les pois chichons? Baggy. En distant. Wow, c'était Mbappé. Trop bien. Quoi? Un Capuma s'est battu avec un autre Pokémon dans un arbre là-bas, tout à l'heure. Vous avez quelque chose à ce sujet? Ah bon? Une bagarre? Je savais pas. J'ai pas arrêté de jouer au ballon avec Baggy Gwen depuis tout à l'heure. Ah, je vois. Merci. Je reconnais cette plume? Elle est vraiment toute noire. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Oui. Non, je ne dirai rien. N'ose pas. Un peu raciste. Mais je sais pas où.
Je n'aurais pas vu un collier bleu. Putain, c'est quoi ce truc de maternelle? Le collier est bleu, le ketchup est rouge, cette plume est noire. On va faire toutes les couleurs, c'est ça? Mais non, désolé. C'est quand même. Oh mon dieu! Ce vieux va trébucher. Il bouge pas. Un buisson qui bouge plus que le vieux! C'est pas normal, suspect! Chopez-le! Un gruit cuit. Bout en train. Gruit cuit. Peux nous dire deux, trois trucs? Oui. On cherche un collier bleu. Tu l'aurais pas vu? Oui. Non, ça se mange pas. Ok, tu l'as pas vu. Cette plume? Non, ça se mange pas non plus. Vous connaissez cette plume? Oui. Eh, pas touche! Non, tu peux pas goûter! Ouf, j'ai réussi à protéger la pièce à conviction. Je pense avoir déjà vu, mais il est pas sûr. On va pas manger un pochijon par hasard? Qu'est-ce que tu faisais caché ici? Oui! Ah, chercher des baies. Alors, t'en as trouvé? Oui! Je vais nous donner quelque chose que t'as trouvé. Mais c'est une pièce! Merci, vieux! Une pièce, bah voilà, j'ai des sous. C'est Grucuit qui va m'offrir les graines de pochijon. Oui, semblerait qu'un cap humain se soit battu près de la fontaine, mais vu que vous regardiez là, je pense que vous n'êtes pas un témoin intéressant. Mais vous avez des informations quand même. Oh, il y a eu une bagarre, je ne savais pas. M'étonne vu comment tu regardais. Mais depuis que les Grayenas se sont installés dans le parc, les caps humains ont l'air mal à l'aise. Ça doit être pour ça qu'ils font leurs bêtises loin des Grayenas maintenant. Il faut dire qu'il y a de plus en plus de bagarres. Ces temps-ci à cause de leurs bêtises. Ah, ça c'est intéressant. On récapitule. Les caps humains ont quitté le parc parce qu'il y aurait probablement des Grayenas qui foutent le bordel dans le parc. Je me demande qui les a installés par contre. Ouais, voilà une question intéressante de détective. Et non pas, on cherche... Ah, c'est bon, on a compris. Hein. On sait que c'est le cornet pour l'instant. Hein. Ça veut peut-être rien dire. Avez-vous déjà vu cette plume noire? Peut-être sur un hirondelle. Je crois que j'en ai vu un hein, près de l'étang de l'autre côté du parc, mais je suis pas sûr. Ça correspond, t'inquiète pas, vieux. Merci. Oh putain, il y a encore plein de monde! Oh, encore plus de monde! On peut entrer dans le café? Bonjour, je voudrais des graines. Vous pouvez les commander? Nourriture. On doit dire qu'on pouvait obtenir de la nourriture pour pochijon ici? Tout à fait, ce n'est pas grand-chose, juste des miettes de pain mélangées ensemble. Des miettes de pain mélangées ensemble. C'est pas à vous servir? Ah, merci. Ah bon. Est-ce qu'il y a des Pokémon à plumes noires dans ce parc? Laissez-moi réfléchir. Il y a un cornet tout noir, mais aussi des pochijons avec du noir sur le derrière. Et des hirondelles aux plumes noires. Tout est noir. Oh, on fait une pause? Un café pour moi aussi, s'il te plaît. Hein? Tu bois du café? Évidemment, c'est ma boisson préférée. Allez, commande! Ok, eh bien, deux cafés, s'il vous plaît. Très bien. Cube canaille, deux cafés s'il te plaît. Cube cube! Ok, ça marche, Kirito. Merci de ton passage. N'hésite pas à faire regarder la rediff à Asura. C'est bon. La première fois que je vois un Pokémon boire du café. Pokémon ou humain, on apprécie toutes les bonnes choses. On fait tous les bonnes choses. On n'est pas bien là, à boire un bon café sous le soleil. Bon, c'est sûr que j'aurai un café encore meilleur à te faire découvrir. Par contre, il y a ça qui m'intéresse. Yip ! Cherche un collier bleu, tu l'avais vu quelque part ? Canaille ? Hein ? Non, pas d'odeur particulière. Non, tu l'as pas vu ? Alors c'est quand même. C'est à qui appartient cette plume ? Yip !
Non, parce que mon odeur a imprégné la plume. Dommage, merci. Il adore les odeurs, apparemment. C'est très bon, ce café. Continue comme ça. Tup, tup. Vous avez beaucoup de clients, ici? Tup, canaille. Que des humains, apparemment. En même temps, c'est un café pour humains. Au revoir. Cherche quelque chose. Cherche un collier, vous n'en auriez pas vu un par hasard? Un collier? J'en porte un. Celui-là, tu cherches? Non, il est bleu, le collier. Oh, dans ce cas, je ne l'ai pas vu, désolé. Genre, il était prêt à filer son collier. Connaissez-vous cette plume noire? Ça appartient peut-être à un hirondelle. Il y en a un par ici. Leurs plumes sont si belles. Une hirondelle? Si. J'ai eu une petite frayeur. Ça frise d'un coup, je sais pas pourquoi. T'as besoin d'aide? Je cherche un collier. Et j'aurais fait ça dans ma ville, tu sais, tous les passants qui sont dans le centre-ville. Surtout que là, c'est période de victoire Coupe du Monde. Excusez-moi, je cherche mon collier. Ta gueule, vive les bleus, ouais! Non, mais je cherche vraiment un collier. Ouais, on a gagné! Merci quand même, hein. Ouais! Collier, j'en ai pas vu dans ce parc. Par celui que ma copine porte. Je vois, merci. Tu peux pas poser des questions du genre c'est vous qui lui avez offert ou... Non, t'en fous. Trop simple. Vous connaissez cette plume noire? Regardez, j'ai une belle plume. Ouais, vive les bleus, ouais! Pourquoi il est noir? Hey, le coq sportif, il est bleu, blanc, rouge. Laisse-moi te faire une petite bombe sur ta plume, tu vas voir. Non, touche pas la plume. Pas mal de hirondelles dans le coin. Et je crois que leurs plumes sont plus belles que ça. On trouve souvent par terre, après qu'ils ont fait leur toilette. C'est drôle ça. Perdre leurs plumes quand ils font leur toilette. Ils doivent en avoir beaucoup pour qu'il leur en reste encore après ça. Alors ça, c'est une maladie. Hein. Si les oiseaux s'amusent à faire ça, c'est soit que les plumes devaient être absolument détachées, soit c'est une maladie où ils sont en train de se pourrir la vie. Oiseau qui s'arrache les plumes de manière volontaire et abusive, c'est dangereux. Hein. Après, c'est juste pour une histoire de toilette, normalement. You can always talk to me, you know? Even if I'm not sending my signal. Non, merci. À toi, les graines. Tu as apporté de la nourriture pour vos chijons? Oui, tenez. Parfait. Recule juste un peu. George, Huey, McCoy, revenez, mes chéris. Alors, peut-être que ça veut rien dire, mais je suis désolé, je vais faire un screen. Il a donné des noms à des pois chijons de parc. Suspect, ça. Faudrait que je fasse un... petit truc de bloc-notes. Parce que... faudrait bien savoir quel est son nom à ce type. Bloc-notes! Si, je vais jouer les détectives. Truc chelou. De détective puis Pikachu. Je crois en plus que j'ai fait une faute d'orthographe sur détective. Gagné, j'ai mis un T. Attendez, je vais modifier ça. Pikachu et non pas Pikachu. Rien vu, c'est rien passé. Hop là. Alors. Chapitre parc. Deux fois. Un monsieur. Sur un banc. A nommé les pois chijons. Il nourrit
George. Huey. Et McCoy. Alors ça veut rien dire, hein. C'est bizarre, mais ça veut peut-être rien dire. Ça veut dire que le type est potentiellement un habitué et a nommé ses pochillons comme ça. Par contre, ce qui m'intéresserait là, par curiosité, hein, c'est de savoir dans quelles circonstances il les a appelés comme ça. Référence à quoi? Parce que ça peut avoir des clins d'œil, etc. Donc c'est ça qui m'intéresse. Détective Pikachu. Écrire Pikachu, c'est incroyable. C'est un an que Pokémon est sorti, je sais toujours pas comment écrire Pikachu. Il y a de la dyslexie à ce niveau-là. Ah, les voilà. Ah, c'est tellement relaxant. Il me suffit d'être avec mes pois-chichons adorés pour oublier tous mes soucis. Ils sont si mignons. George, Huey, McCoy. Le mec doit vraiment être au bout du rouleau. Oui, laissons-le tranquille. Hé, hey, pois-chichon, c'est toi qui as attaqué Cap-Humain? Moi aussi. Hein, tu l'as pas vu? Tu l'as vu? Mais tu ne te rappelles pas si tu l'as attaqué ou non? Ah, j'avais oublié, ce sont des vraies têtes détourmies. Ouais, chichi? Ah, tant pis. Prends lui une plume sur le point de tomber. Est-ce que je peux regarder les... Voilà. Donc voilà. Ça, c'est une plume de pois chichon. Et ça, c'est une plume noire. Ok, vu comment ça ressemble à la plume noire, c'est plus trop un cornèbre. De toute façon, j'ai toujours le cornèbre et les hirondelles à vérifier. Putain, j'ai plein de trucs. Feuille, baie, tâche. Trop d'éléments! Continue. J'ai pas retrouvé le stylo, désolé. Chacun sa merde. Bah. Il est toujours inconscient. Cap-Humain, réveille-toi, ça va? Il a l'air pas prêt de se réveiller. Continuons l'enquête. Tente rien à rien. Guili guili. Pas très efficace. Excellent. Pas très efficace. Le clin d'œil. The owner of this black feather is the one who attacked that Apom. Now, let's identify which Pokémon it was. Tout ce que tu voulais dire, t'es sûr? Bon. J'ai compris que si on lui parlait alors qu'il faisait pas... Hey, oh, oh. C'est pour nous rappeler où est-ce qu'on en était au cas où on voudrait quitter. Personne veut de baie? Secouer l'arbre. Oui, il est en marchant. Étourmi. Trois Pokémon plein d'entrain. Ah non, c'est les étourmis. Étourmi. Excuse-moi. Tu reconnais cette plume? Étourmi. Non. En fait, on cherche qui s'est battu avec un Cap-Humain près de la fontaine. Et cette plume est la clé pour trouver le coupable. Étourmi. T'accuses pas, bien sûr, mais tu pourrais nous filer une de tes plumes. Toulmi. Super, merci. Je vous sauve. Et c'est pas la bonne plume, merci. La cornette vit ici, non? Toulmi. T'as pas vu. T'es où il est? Toulmi. Parti chercher des objets qui scintillent. Ça, c'est un indice aussi. Il dit qu'il aime les objets brillants et en ramasse pour les mettre dans son nid. Toulmi. Où il est son nid? Toulmi. Cap-Humain doit le savoir. Toulmi. Ok. Apparemment, il y a un Cap-Humain dans cette zone. Merci. On va lui demander. Là, c'est... On a deux gros éléments qui fait que c'est cornèbre. Une plume noire et maintenant... C'est quelque chose sur les Cap-Humains? Toulmi.
Quoi? Ils ont failli t'arracher les plumes un jour? C'est vraiment pas croyable avec leur farce. Ok, bon là on est bien parti pour que ça soit Cornet le coupable, même si ça veut rien dire pour l'instant. Hein. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui l'a mis dans son lit, mais en tout cas une chose est sûre. On part du principe que c'est Cornet qui s'est battu avec le cap humain et qu'il a emmené le collier brillant bleu dans son lit. Mais bon, on est toujours en enquête tant qu'on n'a pas la preuve sous nos yeux. On part que sur des suppositions. Mais on va faire la première pause maintenant, on se retrouve tout de suite les gens pour résoudre cette enquête.